Yo tout le monde, c'est Julien et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un animé. Donc aujourd'hui je vais vous présenter Dead March Kara Hajimaru Isekai Kyotsu Kyoku. Donc voilà, donc le titre est un peu long mais je vous le conseille vraiment, il est super intéressant. Donc c'est parti, on va passer à la présentation. Dead March est à l'origine un light novel japonais écrit par Hiro Enana. Donc un light novel, c'est un roman japonais. Il est ensuite repris en série par l'éditeur Fujimi Shobo, qui a fait 13 volumes qui sont publiés en ce jour. Et ensuite, la série a été adaptée en manga par Megumi Ayu. Voilà. Quelque temps après, une adaptation en série télévisée d'animation par Silver Link est diffusée pour la première fois au Japon entre le 11 janvier et le 29 mars 2018. Donc pour l'instant, il y a une seule saison de 12 épisodes. Bon voilà, donc la saison elle se termine. En fait, ça se termine mal. Enfin, c'est pas comme on connaît les animés. En tout cas, à la fin, en fait, ça n'a aucun rapport. Là, on veut direct voir la suite. Parce qu'il n'y a pas d'action en fait, ça s'arrête net comme ça. Et on attend tous la seconde saison. L'histoire traite d'Ishiro Suzuki, qui est un programmeur japonais de jeux vidéo, qui était censé faire une sieste, mais en se réveillant, curieusement, dans un autre monde sous l'apparence d'un adolescent. Ce monde serait en fait celui du jeu sur lequel il travaillait avant sa sieste. Perdu et tentant de comprendre ce qui lui était arrivé, il se fait soudainement attaquer par un groupe d'hommes lézards afin de survivre. Il utilise les sorts offerts aux nouveaux joueurs et décime la totalité des ennemis. Il voit ainsi son niveau augmenter et amasse une énorme récompense de butin. En gros, des accessoires et tout. Malgré cela, il fait le choix de rester discret et décide d'employer son pseudonyme, Satou, Pendragon, dans le but de découvrir ce nouveau monde et d'y rencontrer de nouvelles personnes. Donc principalement les gens qui se retrouvent dans ce jeu, dans ce monde parallèle, puisqu'en fait il ressemble beaucoup à son jeu qu'il crée, mais je sais pas trop en fait. Pour l'instant, en une saison, je n'ai pas trop compris, mais cet animé il est vraiment bien. Donc je sais déjà que quand quelqu'un meurt, il est ressuscité dans ce jeu en fait, il est ressuscité dans ce monde parallèle et il recommence une vie normale en fait, c'est un bébé qui on dit hop. Sauf que on peut se faire invoquer par la magie depuis ce monde. En gros, les magiciens peuvent invoquer quelqu'un du monde réel, enfin de l'autre monde, du monde où on vit, pour l'invoquer. Et lui, il a été aucun des deux cas, il a apparu dans ce monde comme ça, donc on sait pas pourquoi. Si j'ai bien compris, c'est le dieu qui l'a téléporté ou un truc comme ça. Parce que c'est un héros en fait. Il a réussi à avoir le titre de héros. Donc le héros, c'est celui qui battra le roi démon ou le roi démon. Donc pour l'instant, on n'est pas à ça parce qu'il faut attendre la deuxième saison. Donc voilà. Le genre de cet animé est action, aventure, comédie, fantasy, romance, Slice of Life surnaturel, et les thèmes sont apprentissage, autre monde, harem, monstre. Voilà, donc il y en a beaucoup. Donc âge conseillé 10 ans et plus. Donc voilà, donc si vous avez plus de 10 ans, voilà. Donc c'est un peu un harem quand même, hein, parce que bon, c'est pas un ecchi, c'est une hentai, c'est un harem. Voilà. Donc j'espère que cette présentation d'anime vous a plu. Donc voilà, je vous ai fait la présentation d'un anime de 2018. Voilà, il est assez récent, il a commencé cet hiver. Enfin, il a commencé en janvier. Il est très très récent. Moi j'attends avec impatience la saison 2 parce que c'est vraiment bien. Donc cet anime on peut le mettre en parallèle avec SAO parce qu'il se retrouve dans un jeu vidéo, enfin... C'est un peu bizarre quand même le contexte, mais bon. Parce qu'en fait, ils se retrouvent dans 100 jeux vidéo, mais ils disent que c'est un monde parallèle. Enfin, voilà quoi.
Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment. Donc n'hésitez pas à le voir et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette courte vidéo et je vous dis peace tout le monde pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Je vous dis peace tout le monde.